Mais oui, c'est la fin. Quoi? C'est la fin de cette excellente série RIP, scénarisée par Getz et dessinée par Julien Monnier, édité chez Petit à Petit Édition. Allez, je vous en parle tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors évidemment, je n'arrête pas YouTube, je n'arrête pas de faire des vidéos. C'était pour rassurer les deux du fond là qui sont en train de chialer leur race. Hein. Mais non, je reste toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous aurez mes vidéos. Ne vous inquiétez pas. Non, je voulais vous parler de ce dernier album de RIP qui se consacre à Eugène. On va découvrir un peu plus en profondeur le personnage d'Eugène. C'est un gars qui est fort en gueule, limite un peu raciste sur les bords. Et on va découvrir une partie de sa vie, ce qu'il a fait, où il a été. Et on s'aperçoit que malgré son côté sombre, qui est hyper bien décrit tout au fil du scénario de ce tome 6, on voit qu'en fait, Eugène, il a bon fond et qu'il veut aider. Ce tome 6 est la clé de tous les autres albums. En effet, les deux artistes, Getz et Monnier, nous donnent avec ce dernier opus la clé pour faire le lien avec tous les autres personnages. Donc le puzzle va prendre forme dans ce sixième album et tout va s'articuler jusqu'à la dernière page. Quand on lit le tome 6, on se rend compte qu'à un moment donné, on va retrouver un élément du costume de Derrick et un objet qui va permettre à Dédé, un des comparses de cette fameuse équipe, de comprendre tout ce qui s'est passé depuis le début. Au-delà du fait que cette série soit absolument géniale et qu'elle ait fait l'unanimité auprès de tous les lecteurs qui l'ont eu entre les mains et même des libraires, il faut reconnaître que Getz a un talent particulier puisqu'il a réussi à nous dépeindre des personnages qui sont uniques, fouillés, avec des caractères plutôt bien trempés, et il a su mettre en place tout au long des 6 albums, une construction scénaristique habilement ciselée, avec toujours en point d'orgue un humour hyper caustique. Concernant les dessins, tout au long des 6 albums, Julien Monnier il a su créer un univers avec des couleurs délicieusement salaces, délicieusement noires. Il a su créer à travers ses dessins une atmosphère très très glauque. Et ça sert évidemment le récit de Getz. Bref, ce sixième album, comme les 5 premiers, est un régal pour la rétine. Julien démontre avec brio à travers ses dessins la misère économique et affective des personnages. Et j'ai envie de lui dire, s'il regarde cette vidéo, que son talent n'est plus à démontrer. C'est un maestro dans les dessins qu'il fait. J'avais lu de lui à l'ancienne évidemment la série RIP. Et je dois dire que j'adore le dessin de Julien Monnier. C'est quelque chose d'assez particulier et c'est profond. C'est un dessin qui est profond, c'est précis, c'est net. Bref, c'est génial. Mon avis sur ce sixième tome de la série RIP. Ce tome 6, il clôt une série absolument géniale. Et il la clôt d'une manière qui est, sans trop vous spoiler, qui est teinté d'une note d'espoir, puisque cette note d'espoir elle va arriver par un personnage que l'on oublie un petit peu au cours de la série, mais qui arrive dans ce tome 6 avec quelque chose qu'on n'attend pas. Et c'est une belle conclusion pour cette série qui est instructive, qui en matière de médecine légale, en matière de décomposition des corps, on apprend plein de trucs là-dedans. C'est pour ça que je dis qu'elle est instructive. Et l'univers que Getz et Monnier ont créé, il est singulier, il est attachant, et en refermant le bouquin, je me suis dit, ouais, c'est vraiment la meilleure série que j'ai lue depuis très très longtemps. Et pour les avoir interviewés lors d'une vidéo sur la chaîne, je voudrais vous remercier, messieurs, déjà d'avoir accepté cette interview, alors que je suis qu'un tout petit youtubeur, mais vous êtes proche de votre public et ça c'est vraiment top et rien que pour ça je vous remercie. Et je voudrais aussi vous remercier chaleureusement, merci messieurs, pour cette aventure formidable que vous nous avez livrée sur papier, parce que c'est une série absolument géniale. Donc
vous qui êtes derrière votre écran, si, quand vous passez dans votre librairie, vous voyez un présentoir avec les 6 albums de la série RIP, commencez là, parce que vous ne pourrez pas vous en défaire et vous voudrez aller au bout. Donc, lisez-la, c'est vraiment un pur bonheur cette série. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire la série RIP. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez commencé et si ça vous a plu, ou si grâce à la vidéo, ça vous a donné envie de lire cette série. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao, ciao! Merci beaucoup du conseil.